America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Invoquant un article rarement utilisé de la Charte des Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le Conseil de sécurité à faire pression pour éviter une catastrophe humanitaire à Gaza et à s'unir pour rappeler un cessez-le-feu complet. Guterres invoque l'article 99 face au risque grave d'effondrement du système humanitaire à Gaza. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que c'était la première fois que Guterres se sentait obligé d'invoquer le chapitre 99 depuis son entrée en fonction en 2017. A letter to the President of the Security Council invoking article 99 of the Charter of the United Nations. Avec nous en ligne, Monsieur Anwar Mahamat Nour, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes spécialiste de la sécurité et de la paix, militant pour les droits de l'homme. Monsieur Anwar Mahamat, aujourd'hui, il est question de l'article 99 de la Charte des Nations Unies. N'aurait-il pas fallu l'utiliser bien plus tôt, bien avant? Effectivement, le secrétaire général, M. Antonio Guterres, a évoqué la question de l'article 99, le déclenchement de l'article 99 de la Charte des Nations Unies, parce qu'il estime qu'il faut attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation dans la bande de Gaza qui s'empire de jour en jour et qui pourrait menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Effectivement, quand il y a une menace contre la paix et la sécurité internationale, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a la possibilité de recourir à l'article 99 de la Charte des Nations Unies pour attirer l'attention de la communauté internationale. Je pense, à mon avis, que ça a été un peu trop tard parce qu'on pourrait recourir à l'article 99 depuis et on pourrait également accentuer la pression sur la violation des droits humains, sur la violation du droit international humanitaire, sur la situation dans la bande de Gaza. Vous dites que c'est légèrement trop tard. Toutefois, monsieur Mahamat, est-ce qu'il n'est pas utile de se pencher sur la question ou d'aborder cette question de façon beaucoup plus agressive? Bien sûr, parce que la violation des droits de l'homme, la violation des droits humains, la violation du droit humanitaire qui est en train d'être perpétré par l'État d'Israël sur des civils, parce qu'il faut le rappeler, le conflit actuel à Gaza impose un respect impératif des droits de l'homme, un respect inconditionnel et même immédiat du droit international, parce qu'il y a une violation du droit international. On s'interroge même sur l'utilité du droit international quand un État peut violer de façon vraiment très flagrante le droit international et également le droit international humanitaire. On s'interroge actuellement sur la situation humanitaire qui est tout à fait catastrophique parce que le nombre de morts au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment inadmissible du point de vue du droit international. Et donc ça appelle effectivement la communauté internationale dans un contexte international qui est de plus en plus moins respectueuse du droit international. Il faut s'interroger sur ça. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de proportionnalité. Parce qu'en droit international, la question de la proportionnalité est importante. La riposte d'Israël sur cette situation actuelle-là, elle n'est pas proportionnelle.
Monsieur Anwar Mahamat, 80% des Razaouis sont déplacés et plus d'1,1 million d'entre eux cherchent refuge dans les abris de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Des abris pris pour cible par ailleurs. Guterres a déclaré qu'il n'existe tout simplement aucune protection efficace pour les civils et qu'aucun droit n'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, nous assistons à une fragilité du droit international? Quand le droit international est remis en question, n'est-ce pas les équilibres mondiaux qui le sont également? Avant-hier, le secrétaire général des Nations Unies lui-même, il l'a rappelé, parce que le but ultime, l'objectif des Nations Unies, principal, le but principal des Nations Unies, c'est vraiment de maintenir la paix et la sécurité au monde. Et là, actuellement, il n'y a pas seulement une fragilité du droit international, il y a une impuissance du droit international. Oui. C'est-à-dire que le droit international est impuissant face à ces exactions qui sont commises par un État. Il y a une violation des normes du jus cogens, parce que j'ai fait des recherches sur les normes impératives du droit international, qui sont les normes du jus cogens, que tous les États sont obligés à les respecter. Ce sont les normes contre la violation des droits de l'homme, contre la torture, contre la violation du droit humanitaire, et que sera le droit international pénal, parce que la Cour pénale aussi récemment a été évoquée sur cette question. Oui. La communauté internationale actuellement, le droit international, il n'est pas seulement affaibli, mais il est impuissant. Et rien que la démission d'un haut responsable de l'ONU sur les droits de l'homme, c'est un symbole d'un monde qui est divisé. L'offensive de Gaza, rappelons-le, il y a eu énormément de pertes des civils. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'inadmissible. On parle de crimes de génocide, on parle de complicité, on parle de crimes de guerre. Le monde universitaire, les experts s'accordent sur le fait que le droit international, il est violé, mais on est face à un monde qui est pas seulement faible, mais impuissant pour réagir contre ces exactions qui sont tout de même barbares et contre les droits de l'homme. Est-ce que cela signifie que tout pourrait être permis dorénavant? Moi, en tout cas, je suis optimiste. Je ne pourrais pas dire que tout pourrait être permis. Mais oui, puisque, Monsieur Anwar Mahamat, puisqu'aujourd'hui, rien ne peut arrêter cette force d'occupation, puisqu'aujourd'hui, des civils sont pris impunément pour cible, puisqu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité n'arrive pas à stopper des frappes contre des populations civiles, puisqu'aujourd'hui, des politiques, au sein même de l'ONU, demandent la démission d'Antonio Guterres, parce qu'il a fait valoir l'article 99. Est-ce que nous n'avons pas franchi une ligne? Nous sommes en droit de nous poser la question. Vivons-nous aujourd'hui dans un monde sûr où peut-être demain tout sera permis? Effectivement, vous avez tout à fait raison. L'ampleur de la violation du droit international qui se passe actuellement à Gaza est vraiment sans précédent. Les crimes de guerre, les colonies de peuplement, les traitements inhumains, la torture, les attaques indiscriminées, les démolitions de maisons, les transferts forcés de population et les peines collectives. Ce sont en fait des crimes contre l'humanité, parce que il y a le statut de la Cour pénale internationale qui, à travers l'article 7, qui est évoqué. Il y a aussi le crime d'apartheid, parce qu'on parle maintenant de génocide et d'apartheid. Je pense qu'il faut replacer le débat sur le point juridique, parce que peut-être à travers le point juridique, à travers la Cour pénale internationale, il faut saisir cette question-là et il faut que le droit international soit, une fois de plus, respecté. Bien effectivement que la communauté internationale, elle est faible, elle est impuissante, surtout les Nations Unies actuellement, parce qu'il faut le dire, on est dans un monde où il y a des puissants. Oui. Et Israël n'est pas seulement seul en train de commettre tout ça. C'est avec la complicité d'un certain nombre d'États, notamment les États-Unis d'Amérique. Et là, il convient de remarquer que le monde occidental, l'Occident aujourd'hui, doit favoriser le respect des droits de l'homme au détriment de donner une carte blanche à un certain nombre d'États de violer totalement les droits de l'homme et toujours dans leur intérêt. Et là, il convient de le souligner. Il faut, je pense, une nécessité de réforme du système des Nations Unies, surtout le Conseil de sécurité. Je pense que c'est un processus
qui ne marche pas. Et si aujourd'hui on fait un recours à l'article 99, le secrétaire général lui-même, il a attiré l'attention, notamment oui. du Conseil de sécurité et de la communauté internationale. Il faut tout de même préciser que c'est un geste rare et puissant qui oblige le Conseil de sécurité à se pencher sur la guerre de Gaza. Antonio Guterres a invoqué ce qui est largement considéré comme l'outil diplomatique le plus puissant à sa disposition. Sur le terrain de la réalité, le secrétaire général des Nations Unies oui. n'a pas aujourd'hui, et c'est ce qui est vraiment dommage, parce qu'au-delà même de cet article 99, oui. il y a effectivement, c'est un geste effectivement symbolique de la part du secrétaire général des Nations Unies. Effectivement, il faut le dire, mais le secrétaire général a essayé de faire, depuis le début, Antonio Guterres, depuis le début du conflit, oui. a essayé de faire un certain nombre d'actions et d'actes qui sont des actes d'appel à la sécurité. Mais ce sont des actes qui demeurent quand même insuffisants. Parce que sur la question palestinienne, sur la question du conflit à Gaza, il y a des questions de fond. Je pense que si on n'arrive pas à résoudre ces questions de fond, je ne pense pas qu'on aura une solution durable pour le conflit et pour la paix et la sécurité au monde. Parmi ces solutions durables, la meilleure solution, sous l'égide de la communauté internationale, la solution à deux États. Bien. Monsieur Anwar Nour Mahamat, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes spécialiste des questions de paix et de sécurité, défenseur des droits de l'homme. Merci beaucoup, monsieur Anwar Mahamat Nour. Moi qui vous remercie. Experte de l'ONU avertit que les attaques sur Gaza pourraient, je cite, conduire à un nettoyage ethnique de masse des Palestiniens. Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, indique par ailleurs que l'expulsion forcée de Palestiniens de Gaza constituerait une nouvelle Nakba. Avec nous en ligne, Madame Francesca Albanese, merci de nous accorder de votre temps. Je rappelle que vous êtes rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Madame Francesca Albanese, vous évoquez dans plusieurs de vos interventions, vous évoquiez la gravité de la situation en Palestine occupée. Alors la situation dans le territoire occupé est très très grave. Et la chose choquante, c'est que si vous m'aviez posé la question il y a 10 ans ou il y a 15 ans, quand je vivais en Palestine en travaillant pour les Nations Unies, j'aurais dit la même chose. La situation est très grave et ça va de pire en pire. Pourquoi ? Pour deux choses. Tout d'abord, les intentions d'Israël en tant que puissance coloniale. Et laissez-moi dire que quand je dis coloniale, ce n'est pas de l'idéologie, j'utilise ce mot avec une connotation juridique très précise. Mm-hmm. Mais disons, les ambitions coloniales d'Israël sur ce qui reste de la Palestine historique sont tout à fait vivantes. Israël essaie de les pousser au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire ? Prendre le plus de territoire possible avec le moins de Palestiniens. Ça nécessite beaucoup de violence et bien sûr, ça pousse aussi de la résistance de la part des Palestiniens, absolument sans protection. Ça voudrait dire qu'il y a une volonté de vider les territoires palestiniens de leur population, c'est cela qu'il s'agit. Mais tout à fait, tout à fait. En ce sens, pensez-vous que l'on réagit suffisamment au rapport que vous établissez, Madame Francesca Albanese ? Ça, c'est la deuxième partie de combien je trouve grave la situation courante, parce que le manque de ce qu'on appelle accountability, le fait qu'il y a de l'impunité israélienne, jamais il y a des conséquences, ni pour les colons qui maltraitent, et qui abusent, qui attaquent les Palestiniens sous occupation et leur propriété, ni pour les soldats qui commettent des exécutions extrajudiciaires en tuant les Palestiniens. Et là, en montant à l'autre échelle, il y a clairement des politiciens qui ont des propos très très dangereux et à la limite de la légalité, sinon on est là. Et tout ça reste sans conséquence. Il y a un manque d'action politique
aberrante quand il s'agit de la Palestine. Et maintenant, vous voyez clairement les doubles standards quand il s'agit de l'Ukraine et la dénonciation de la violation des droits à l'autodétermination, de l'occupation illégale de la Russie, c'est tout vrai. Mais c'est la même chose pour les Palestiniens. Voilà, ça c'est le contexte général. Il faut aussi dénoncer le manque de voix et d'efficacité des actions menées par les Nations Unies dans ce contexte. La situation devient de plus en plus grave et les intentions qui produisent cette situation vont de plus en plus à être manifestes. Vous savez, on est passé de aucune colonie au 1967 à 270 colonies cette année, de 0 colons à 750 000 colons cette année. Mmh. Comment on est arrivé là? Ça s'est passé quand il n'y avait pas l'extrême droite au gouvernement. Ça s'est passé avec les gouvernements libéraux. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu une tolérance internationale vis-à-vis de la colonisation et le dépeuplement du territoire, de larges portions de territoire de la population palestinienne. Aujourd'hui, comme je vous disais, les propos sont presque criminels parce que entendre un ministre dire quelque chose comme « il faut exterminer Hawara ». Hawara, c'est un symbole maintenant. Il y a tous les jours, une mini Hawara en Palestine. Et je ne comprends pas pourquoi la communauté internationale a cette froideur, cette manque d'empathie vis-à-vis du peuple palestinien qui est dans cette situation depuis 55 ans. C'est juste. C'est juste. En fait, vous êtes en train de nous dire que quel que soit le gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, quel que soit le gouvernement, ces colonies augmentent de façon spectaculaire. Il faut tout de même préciser que pour cette année seulement, 7000 nouvelles maisons dans les colonies illégales étaient construites. C'est bien plus que durant toute l'année 2022. C'est des chiffres qui s'appliquent avec tous les gouvernements successifs. Oui. Tout à fait. C'est pour ça que je dénonce l'hypocrisie, parce que il n'y a pas d'autre mot. Je dénonce l'hypocrisie de tout ce qui demande la réalisation de la solution à deux États, tandis qu'il faut rien pour empêcher la colonisation. Parce que si je dois mettre au point une cause de ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, et moi j'ai des problèmes avec ce mot. Mais de toute façon, si on doit parler d'une cause, pour moi, c'est la colonisation. Parce que c'est la colonisation, et ça, il y a des statistiques, hein, c'est pas une opinion. Oui. La violence et les arrestations arbitraires sont tout autour des colonies. Et il n'y aurait pas besoin d'une présence militaire constante depuis 1967 si c'était pas pour protéger les colons. Et c'est évident, vous voyez maintenant, là, les vidéos de l'armée qui escorte Anilin, Bilin, Hawara. Il y a l'armée présente. On a même hier vu des soldats danser avec des colons, parce que beaucoup de soldats sont des colons eux-mêmes. Il y a 16 membres du Parlement israélien qui viennent des colonies. Des ministres qui sont des colons, comment on fait à séparer ce que l'État d'Israël fait dans le territoire occupé? La journaliste israélienne Amira Haas l'a dit, tout gouvernement israélien a été comme une junta militaire pour les Palestiniens sous occupation. Une junte militaire pour les Palestiniens. Madame Francesca Albanese, dans l'un de vos récents rapports, vous citez l'utilisation de la force létale contre notamment les journalistes et les humanitaires. Il est aussi question de la détention de dirigeants politiques palestiniens. Vous dites cela, et en parallèle, nous avons des politiques qui évoquent le dialogue politique. Ce serait une rhétorique de leur part, on va dire, hypocrite? Pardonnez-moi l'expression. Non, vous avez vu, c'est une expression que j'utilise sans m'excuser, parce que c'est vrai, je le dis depuis toujours, parce qu'il y a trop de sensibilité sur les mots, manque de sensibilité absolue vis-à-vis des êtres humains. Mmh. Et là, je dis, oui, c'est clair qu'il y a une interférence continue, intentionnelle, avec les processus politiques intra-palestiniens. Ça, c'est depuis longtemps. C'est pleinement documenté, y inclus par les Israéliens. Il y a des auteurs israéliens qui ont fait des travaux extraordinaires à ce sujet. C'est ça. Et c'est évident, laissez-moi le dire. C'est dans la géographie, ça suffit de prendre une carte, ça suffit de se promener une fois dans les territoires occupés, voir ce qui reste de la Palestine.
Madame Francesca Albanese, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé aussi généreusement de votre temps. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Francesca Albanese est rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Et elle était avec nous à partir de Genève. يجي يشوف حالتنا يشوف أولادنا كيف مرتمين في شيء في الصوف قاعدين على البلاط لا في فراش ولا أكل ولا مي ولا كهرباء هذه حياة هذه هذا حصار هذا أكبر حصار هذا أعظم حصار لإسرائيل بقول يعني يشوفنا كيف عايشين هنا مرميين لا منروح منلعب ولا منضحك ولا منتعلم ولا منحضر برامج أطفال بفتح التلفزيون بلاقي كله تشييع جنازات وطخ وموت وحرب دبابات واشتياح بلقيت برامج أطفال أتسلى أتعلم منهم بلقيش رسوم متحركة ألعب أتفرج علينا أتسلى كل تشييع جنازات ولا حاملين شيء بطخه إحنا هنا لا في أكل ولا مي ولا شرب ولا إشي هنا إحنا هنا مرميين إحنا علينا حصار ولا بناكل ولا بنشرب ولا إشي بيسوونا ولا بفتح المعابر حتى يعبرنا أكل أو أشياء. On lâche des tonnes de bombes sur des maisons et on tue des familles entières. Peut-être que c'est justifié, peut-être qu'il n'y avait pas d'autre moyen, peut-être. Mais on a arrêté de se demander si on ne franchissait pas la ligne rouge. Les Palestiniens qui affrontent main nue l'armée sioniste ne vont sans doute pas d'un pas joyeux et léger à la rencontre de la mort. Le peuple palestinien est un peuple digne. La dignité, cette caractéristique qui semble nous manquer et qui nous devient étrangère. Les Palestiniens réclament leur terre volée par ce gang au col blanc réuni au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les Palestiniens n'ont plus besoin de voir nos F-16 leur venir en aide. Ils ne nous attendent plus. Aurions-nous ainsi raté le train de l'histoire ? Honte à ceux qui se sont tus au moment où il fallait condamner et dire courageusement que la Palestine est la terre des Palestiniens et qu'El-Quds est leur capitale éternelle. Honte à ceux qui ont dilé et bradé leur passé et celui de leur peuple. Le passé si les chefs d'État et de gouvernement arabes avaient pris communément ou séparément la décision de boycotter la COP28, mettant en avant leur refus d'être en présence d'Yitzhak Herzog. Que se serait-il passé si les organisateurs de cette récente rencontre avaient signifié à ce dernier que sa participation n'est pas souhaitée ? Comment concevoir qu'au moment où des pays sans lien direct avec le monde arabe ou arabo-musulman, tels que la Bolivie, décident de rompre leurs relations avec l'entité, ne craignant pas de dénoncer le génocide et les crimes de guerre commis ? Comment concevoir qu'à ce même moment, d'autres, les autres en l'occurrence, censés être proches par la foi, le verbe ou encore la géographie, arrondissent les angles, déroulent le tapis rouge et serrent la main du diable. لما إيش رموا برميلين على دار جيراننا شنو حماس 9 دور نزلوا 9 دور إحنا برضو دارنا نزلت معهم دارنا والله نزلت معهم إيه ده إخواتي 2 استشهدوا وعمام 2 والله وخال بابا استشهد وإحنا كتير من دارنا استشهدوا كتير ودار جيراننا نصهم استشهدوا كل حارتنا استشهدت ما ضلش حد بالحياة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم العرب حسبي الله ونعم الوكيل شوفوا كيف حالنا احنا شوفوا مرميين وين شوفوا مش قادرين نتحرك والله ما قادرين نتحرك حسبي الله ونعم الوكيل ماما وجهها انحرق ستي مش قادرة تعمل رقبتها كده وكده وظاهرها كمان اختي متصوبة هنا خشية شضية هنا Depuis le 7 octobre, des colons armés sortent de chez eux chaque matin pour, disent-ils, aller à la chasse. Les viseurs sont à la mesure de ceux qui portent l'arme, un viseur réduit et petit.
la guerre menée contre la population entière, à Gaza et en Cisjordanie, met à nu une certaine incapacité. Cette guerre n'est rien de plus qu'un réactif. Elle a permis de mettre en lumière ce qu'il y a de plus vil chez l'être humain. Avec nous en ligne à partir de Beyrouth, M. Nasser Kandil, l'ancien député au Parlement libanais. M. Kandil, merci d'accepter notre invitation. Comment jugez-vous la situation, M. Kandil, à Gaza? Et comment appréciez-vous ce qui a été obtenu par la résistance palestinienne? En vérité, l'armée israélienne ment quand ses chefs demandent à la population de se rendre dans des zones qu'ils qualifient de sécurisées. Sa mission consiste à tuer le plus grand nombre de Palestiniens, et particulièrement de femmes et d'enfants. Il ne s'agit pas de dommages collatéraux, mais du noyau même de l'opération militaire menée. L'Israélien, à travers l'opération menée à Gaza, souhaite dompter la région arabe dans sa totalité et dit voilà ce qui vous attend, tous. Ceux qui souhaitent affronter Israël verront ses enfants tués sous ses yeux, sans pouvoir riposter. Là est le message. Voici vos enfants, les enfants de Gaza, les femmes de Gaza, que l'on tue. Nous détruisons leurs maisons, nous les affamons, nous les privons de médicaments, de toutes les conditions de vie. Il s'agit de personnes qui sont une partie de vous et qui vous serviront d'exemple. C'est de cette mission dissuasive qu'il s'agit. L'armée israélienne, mise en échec par la résistance, se tourne vers la population pour commettre un massacre sans fin. Ce massacre a pour objectif de servir d'exemple. Il s'agit de dire, pouvez-vous agir? Montrez-nous ce que vous pouvez faire. Il ne faut pas s'attendre à voir à ce que les États-Unis jouent un rôle dissuasif. Nous entendons des responsables américains dire qu'ils n'ont pas de preuves qui indiquent qu'Israël tue des civils et que ce que nous voyons ne sont que des dommages collatéraux, que c'est une armée de professionnels, etc. Nous avons entendu les propos de John Kirby, de Joe Biden, d'Anthony Blinken. Ils couvrent un massacre ouvert. Saïd Nasser Kandil, Monsieur Nasser Kandil, Antonio Guterres a voulu utiliser l'article 99 pour attirer l'attention sur ce qui se passe à Gaza. Toutefois, le représentant de l'entité d'occupation au sein de l'ONU a demandé à ce qu'Antonio Guterres démissionne. N'est-ce pas le monde entier qui est aujourd'hui tenu dans un coin d'une pièce piégée par cette entité d'occupation ? Ce qui se passe sur la scène internationale et dans les rues des différentes capitales, les positions des gouvernements qui ont rompu leurs relations avec l'entité d'occupation, telles que la Colombie, le Chili et la Bolivie. Ceci est important. Des gouvernements qui haussent le ton, tels que le gouvernement belge et espagnol, cette rupture que connaît le monde est importante. Aujourd'hui, une enquête du Newsweek révèle que Starbucks a perdu 1,3 milliard de dollars durant cette guerre du fait du boycott. Tout ceci est important. Cela signifie que la démarche de Guterres est importante. Cela signifie également qu'Israël perd la guerre médiatique. Cette entité a toujours pensé que l'opinion publique occidentale est un mur sur lequel elle peut se reposer. Mais face à une position américaine allant au-delà de tout pour amener la protection à cette entité, qui pose son droit de veto au Conseil de sécurité, qui a pignon sur les moyens de communication et les institutions onusiennes eux-mêmes, il n'y aura pas de mesure pour obliger Israël à stopper l'agression. منح وسائل الصمود للشعب الفلسطيني لمقاومته البطلة التي تشعر بأنها ليست وحدها سواء عبر هذه التحركات. Les facteurs cités permettent aux Palestiniens de résister, une résistance qui se sent soutenue de par les opérations menées au Yémen, au Liban ou encore en Irak en faveur de ce qui se passe en Palestine.
Nous sommes arrivés à un moment que nous connaissons. Cela s'est produit en juillet 2006. Les États-Unis demandaient à Israël de résister dans le but de réaliser plus d'objectifs. Quand Israël a hurlé qu'il n'était plus possible de continuer, les États-Unis sont intervenus pour imposer un cessez-le-feu et revenir sur des conditions telles que l'anéantissement du Hezbollah et le déploiement de forces multinationales. Tout cela a été abandonné quand Israël a dit qu'il lui était impossible de supporter davantage. Aujourd'hui, l'hémorragie que connaît cette armée d'occupation à Gaza et au Liban va obliger le cessez-le-feu. Hier, le ministre de la guerre se réunissait avec les colons dans le nord de la Palestine occupée. Des colons qui lui criaient au visage que c'est une armée et un État en faillite. Le ministre, répondant avec hystérie, a indiqué qu'il y aura une guerre possible au Liban par ailleurs. Les médias israéliens font état de la désertion de brigades entières, que les chefs de ces brigades sont jugés et radiés. C'est cette dislocation qui va conduire au cessez-le-feu et rien d'autre. Monsieur Nasser Kandil, vous avez parlé d'objectifs. Quels sont ces objectifs? Les objectifs de cette armée d'occupation sur le terrain, ce sont des civils qui sont pris pour cible. Nous n'avons pas vu ces Noirs arrêtés comme cela a été prétendu par les représentants de cette entité. Quels seraient les objectifs de cette force d'occupation? L'armée israélienne est en décadence depuis plus de 20 ans, depuis son retrait du sud du Liban, sans négociation ni contrepartie. Un scénario qui s'est reproduit en 2005 par son retrait contraint de Gaza, puis encore une fois en 2006 au Liban et à Gaza en 2008, en 2013, en 2014 et en 2018. Puis, cette armée a été confrontée à une résistance renforcée qui ne se contente pas d'être dans la défensive, mais dans l'offensive, comme cela a été le cas lors de la bataille de Saif al-Quds en 2021. Aujourd'hui, l'armée d'occupation reconnaît son échec. L'opération du 7 octobre est un échec cuisant pour toute l'armée israélienne, pour le gouvernement, qui dit « Oui, j'ai échoué face à votre résistance, mais j'ai un moyen de riposter en tuant des civils, en exterminant tout un peuple duquel est issue une résistance, nous l'effacerons de la surface de la terre, nous l'anéantirons, nous tuerons ces femmes et ces enfants. Ne pensez pas pouvoir voir émerger des jeunes courageux et aguerris. Tels sont les buts. » Les Palestiniens les ont compris et ont vu cet objectif. C'est pour cela que nous voyons une mère sortir après avoir tout perdu et dire « Je ne quitterai pas ma terre, même s'il venait à pleuvoir des pierres. » Et que nous entendons des résistants dire qu'ils vont poursuivre la lutte, même si la guerre devait durer des années et non des mois. Nous voyons des États européens rompre leurs relations diplomatiques avec Israël. Les Arabes doivent dire aux Palestiniens, vous n'êtes pas seuls quand le monde le leur a signifié. Monsieur Nasser Kandil, Sayyid Nasser Kandil, shukran jazilan, Sayyidi, li hudurikum ma'ana. Merci infiniment, monsieur. Merci, merci. Nasser Kandil a été député au Parlement libanais. Il était avec nous à partir de Beyrouth. Et à ce propos, à propos de ce que nous disait Nasser Kandil, dans l'exil, la résistance s'organise
pour renforcer et venir en appui à la résistance à Gaza. Avec nous en ligne à partir de Beyrouth, Monsieur Abdelmajid Awad, Saïd Abdelmajid Awad, choukran li hudurikoum ma'ana Saïdi. Vous êtes responsable des questions politiques et des médias au sein du mouvement palestinien Hamas. Saïd Abdelmajid Awad, بعض الجهات تتحدث عن طلائع طوفان الأقصى. ما هي أهداف هذه المبادرة؟ لا شك أن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام في 7 أكتوبر الشهر الماضي أو الذي يليه حققت نتائج كبيرة على المستويات كافة، لا سيما السياسية والعسكرية والاستراتيجية. L'opération Tofan al-Aqsa a enregistré de nombreux résultats à tous les niveaux, politiques, stratégiques et militaires, et a permis à la cause palestinienne de redevenir centrale. Ce que connaît Gaza comme tuerie et massacre actuellement face à une résistance déterminée, tout cela a conduit à une mobilisation et un soutien renforcé, notamment de la part de jeunes palestiniens du Liban qui ont manifesté leur volonté de participer à la libération totale du territoire palestinien. في مشروعها الرامي إلى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني لذلك أنشأنا إطارا تعبويا شعبيا تحت مسمى طلائع طوفان الأقصى من أجل استيعاب هؤلاء الشباب. À cet effet, nous avons créé un cadre pour canaliser ces jeunes. Talaa'ih Tufan al-Aqsa, notre boussole est la Palestine, que la Palestine. Nous préparons à cet effet les jeunes palestiniens. Au Liban, nous sommes des réfugiés. Nous respectons la souveraineté du pays, respectons ses lois et veillons à sa stabilité. Nous ne nous immiscions pas dans ses affaires intérieures. سيادة هذا البلد ونلتزم بقوانينه ونحرص كما دائما على أمنه واستقراره ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد وتاريخ الحركة في لبنان يشهد على أننا Le passé du mouvement l'atteste. Un pays, le Liban, qui a accueilli la cause palestinienne. Et donc, nous rassurons, ce programme n'a pas de lien avec des attaches stratégiques passées. لها علاقة بالرجوع إلى الوراء نحو التجربة الفلسطينية السابقة نحن اليوم أبناء معركة طوفان الأقصى أبناء الإنجاز العظيم الذي حقق في 7 أكتوبر علينا جميعا أن نكون منخرطين باتجاه هذا الحدث وباتجاه القضية الفلسطينية نحن اليوم نعيش في مرحلة استثنائية Nous vivons une période particulière. Il est important pour les jeunes Palestiniens réfugiés de soutenir la cause palestinienne, car ils sont une partie de la résistance. Nous disons à ces jeunes, pas d'exil, pas de déplacement de population. Notre seule terre est la Palestine. سنرجع إلى هذه الأرض مهما طال الزمان ومهما بلغت التضحية. سيد عبد المجيد عواد، شكرا جزيلا سيدي لحضوركم معنا. عبد المجيد عواد est membre du bureau du Hamas, responsable des questions politiques et des médias. Et il était avec nous à partir de Beyrouth. علي أحمد الجمل لاجئ فلسطيني من مخيمات جنوب لبنان. إحنا منوجه رسالة باسم معاناة شعبنا الفلسطيني وأهلنا القابعين في مخيمات اللجوء والتشرد والبؤس أن يكون صوتنا مسموع ونحن ننتظر العون والمساعدة من أجل عودتنا إلى قرانا ومدننا في فلسطين الحبيبة. من هنا من مخيمات الشتات نناشدكم باسم الضمير العربي أن تقفوا أمام شعبنا الفلسطيني لحين عودتنا إلى فلسطين. أن تكون عودة كريمة بإذن الله. Ce temps, le transfert des Palestiniens vers le Sinaï est en marche.
un ministre de Netanyahou a rédigé une proposition de temps de guerre visant à transférer 2,3 millions de Palestiniens de Gaza vers la péninsule égyptienne du Sinaï. Le document propose de déplacer la population palestinienne de Gaza vers des villes-tentes dans le nord du Sinaï égyptien, puis la construction des villes permanentes et un corridor humanitaire non défini. Avec nous pour en parler, Monsieur Adel Samouli, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été candidat aux élections présidentielles en Égypte précédemment. Monsieur Adel Samouli, le document que je viens de citer, daté du 13 octobre, a été publié pour la première fois par le bureau de Netanyahou, qui l'a qualifié de document conceptuel. Comment réagissez-vous à cette information, Monsieur Adel Samouli? J'adresse mon discours aux responsables israéliens, rejetant toutes les déclarations officielles du Conseil de guerre et des personnalités politiques israéliens, appelant au déplacement et à l'installation des Palestiniens dans le Sinaï. Je leur dis que le Sinaï est une terre égyptienne et non pas un appartement à louer. La guerre pour l'Égypte est un drame humain, une catastrophe et une impasse économique. L'Égypte officielle ne veut voir ni de morts à Gaza, ni en Israël, ni nulle part dans le monde. Moi, j'ai un contact direct avec les chefs de tribus de Sinaï. Ils refusent l'installation et le déplacement des citoyens palestiniens gazaouis sur le sol égyptien. L'installation des Gazaouis à Sinaï, ça va créer un problème pour la paix et un problème pour les Palestiniens eux-mêmes. L'armée égyptienne a essayé de mettre comme un barrage face aux menaces israéliennes. Et nous, on est en contact avec les Bédouins à Sinaï et ils sont prêts à soutenir l'armée égyptienne et garder la frontière sans un transfert des Palestiniens vers Sinaï. Comment est-ce que le Caire va procéder? L'Égypte doit naviguer, faut-il le préciser, entre les pressions de l'entité d'occupation et l'allié américain en faveur de l'accueil de réfugiés dans le Sinaï et le soutien de sa population aux Palestiniens. Dans ce contexte qui est tout de même particulier, quelle est la marge de manœuvre, Monsieur Adel Samouli? Je confirme encore une fois, l'Égypte ne va pas accepter des réfugiés ou bien des citoyens gazaouis à Sinaï. Il est hors question de les accueillir en Égypte. La communauté internationale doit coopérer activement pour créer un environnement propice à la défense. Des solutions durables existent. Cela inclut la promotion des droits de l'homme et la mise en place des mécanismes garantissant une coexistence pacifique à long terme. Les pays occidentaux se sont impliqués dans cette guerre et l'histoire rappellera que les Occidentaux ont donné les principes au profit des intérêts. Les slogans humanitaires ont perdu leur sens en soutenant la force d'occupation qui a choisi de mener une guerre de purification ethnique avec des armes américaines, bien sûr. Monsieur Adel Samouli, un autre paramètre que je voudrais discuter avec vous, vous êtes suffisamment, on va dire, imprégné de la chose que je vais vous exposer. La sécurité territoriale en Égypte est étroitement liée à son environnement. Dans ce sens, Abbas Kamel a rencontré Hani à tout récemment au Caire. Est-ce qu'il vous semble que les services de renseignement, je ne parle pas des Mukhabarat al-Askariya, des renseignements militaires qui coopèrent de façon régulière avec le Hamas, mais je parle des renseignements de façon générale. Est-ce qu'il vous semble qu'ils ont un rôle à jouer dans la crise actuelle? Abbas Kamel, c'est le chef des services de renseignement égyptien. Il joue un rôle très important pour passer les messages entre le mouvement Hamas et l'Israël, bien sûr. Mais ils travaillent pour les intérêts égyptiens. Bien sûr, les services d'enseignement égyptiens coopèrent avec l'Israël en ce qui concerne la sécurité, la protection de la frontière, la guerre contre le terrorisme. C'est tout à fait normal parce qu'il existe un accord de la paix entre l'Israël et l'Égypte depuis 1979. Du côté égyptien, nous, on respecte l'accord de la paix. Mais vis-à-vis des Égyptiens, l'Israël est une puissance coloniale. C'est ça le problème. L'Israël a, pendant des années, a réussi à taire toutes les voix critiquant les crimes d'Israël contre les civils palestiniens. Pour les services de renseignement égyptiens, l'Égypte avant tout. C'est-à-dire, ils sont là pour protéger le pays, mais pas pour travailler pour le camp d'Israël ou qui que ce soit. Bien sûr, ils essayent de trouver moyen pour baisser la tension entre les deux parties, Hamas et Israël.
Je rappelle en ce sens qu'en 2011, l'échange de prisonniers palestiniens contre Gilad Shalit avait été mis à l'actif des officiers de renseignement égyptiens malgré la longueur des négociations qui ont duré de 2006 à 2011. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, quelle est la marge de manœuvre des services de renseignement égyptiens ? Les services de renseignement égyptiens, il est capable de libérer les otages israéliens à Gaza, mais il faut d'abord se mettre à table pour discuter ça entre les deux parties, l'Israël et Hamas. Hamas est un mouvement qui existe et il faut trouver moyen pour se communiquer avec Hamas et Israël directement, bien sûr par l'intermédiaire officiel. Ce qui est important pour l'Égypte actuellement, c'est de trouver un moyen pour s'en sortir de la crise. Chez nous, en Égypte, on veut seulement la stabilité de la région. Notre message à l'Israël, il faut mettre fin à la guerre et à la crise et chercher la paix et la stabilité parce que après, il n'y aura pas la solution des deux États, Palestine et Israël. Je pense que la gravité de la situation nous oblige de passer ce message. Monsieur Adel Assamouli, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. L'histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain pour un autre numéro de l'Histoire en marche. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah.